Un drame dans les rues de la capitale. Dans la nuit de samedi à dimanche à Paris, un piéton est décédé, après avoir été mortellement fauché par un conducteur qui fuyait la police après avoir refusé de se soumettre à un contrôle routier à Pantin, Seine-Saint-Denis, a-t-on appris dimanche de sources policières. Le conducteur a abandonné sa voiture dans une rue du 19e arrondissement, dans le nord-est de la capitale, et est toujours en fuite, a-t-on ajouté de même source, confirmant une information de BFM TV. Vers 3h30, une patrouille de police qui circule avenue Édouard Vaillant à Pantin tente de contrôler une BMW, qui n'obtempère pas et prend la fuite en direction de Paris. Le fuyard prend successivement de nombreuses artères du 19e arrondissement et distance la police à la sortie du tunnel de la Porte de la Villette, selon la version de la police. La police est ensuite informée qu'un piéton a été renversé par le fuyard au niveau du boulevard McDonald, a-t-on poursuivi de même source. Malgré l'intervention des secours, la victime décède sur place. D'après des informations de BFM TV, la victime était âgée d'une trentaine d'années. Une enquête a été ouverte et confiée au service du traitement judiciaire des accidents, STJA, selon la source policière.